où sera Orange fin juin. Sans communauté de communes pour le moment, la ville devra être intégrée à l'une des 12 intercommunalités de Vaucluse dans les deux mois. Le préfet d'ailleurs aura son mot à dire. Alors une certitude, pas question en tout cas d'intégrer un grand Avignon élargi qui irait jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Les maires de Piolenc, Sérignan-du-Comtat et Jonquière se rangent à l'avis de Jacques Bompard, député maire Ligue du Sud d'Orange. Et même le maire de Bédaril, lui, dit vert gauche, s'est aussi associé à ses collègues du Haut-Vaucluse. S'il fait le choix du Grand Avignon, il comprend la position de ses collègues marqués à droite et notamment la position de Jacques Bompard. Les intercommunalités ne doivent pas se construire dans une logique partisane. Elles doivent pouvoir se faire dans la logique fixée par la loi, qui est bonne et qui est celle du bassin de vie. Il n'est pas bon d'être pour l'intercommunalité forcée et qu'on doit pouvoir entendre les demandes des représentants de la population qui sont bien placés pour savoir justement avec qui ils vivent. Joël Serafini, maire d'hiver gauche de Bédaride, et Jacques Bompard, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. Cette question de l'intercommunalité qui dépasse les clivages politiques, on parle bassin de vie et vie quotidienne. C'est la loi qui le prévoit. Le ministre a dit qu'on respecterait la vie des élus. Donc nous allons envoyer aujourd'hui une lettre et au préfet et au ministre pour lui dire nous sommes d'accord tout à fait pour faire une intercommunalité viable dans le bassin de vie d'Orange, et on la lui propose. On l'avait proposé au préfet précédent qui, dans un premier temps, avait trouvé le projet très cohérent, puis qui, subissant des pressions politiques, était revenu en arrière. On va voir comment cela se passe aujourd'hui. Et en amour, Jacques Bompard, la gauche a une présidence plus normale que la présidence précédente sur ce dossier-là. Vous voulez aller où, Jacques Bompard, en amour? Je veux rester dans le bassin de vie. Donc, le bassin de vie est très clairement établi. Il va de la Cauga. Il va de la Cauga jusqu'à Bolène, qui a fait un sondage qui a établi qu'à 75% les gens faisaient partie du bassin de vie d'Orange. Faire votre intercommunalité. Oui, et puis si on ne peut pas la faire directement, que l'on reste dans ce cadre-là, et la communauté de communes de Camaret est tout à fait dans le bassin de vie d'Orange, dont je suis d'accord pour y aller éventuellement, bien sûr. Merci Jacques Montpain. Et vous restez avec nous pour la ligne ouverte à 8h15. Vous posez vos questions, député maire Ligue du Sud d'Orange, qui prend son petit déjeuner sur France Bleu Vaucluse jusqu'à 8h30.